Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi fort, je vais très bien. Ici Mutex pour une nouvelle vidéo sur Portal Knight. Donc aujourd'hui les amis, cinquième épisode sur notre... sur... Donc aujourd'hui les amis, cinquième épisode sur notre série Portal Knight. Je suis juste obsédée par ce jeu, il est tellement génial. Donc on se retrouve sur, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, Portal Knight. Et vous voyez mes plantations de la dernière fois ont planté. Et donc dans le dernier épisode, on avait construit cette maison. Vous pouvez aller la voir en cliquant sur le petit, pardon, par ici, par là. Juste là. Donc, en cliquant sur le petit, vous allez pouvoir aller regarder le quatrième épisode. Donc, on va récupérer nos plantations qu'on avait plantées la dernière fois. Et j'espère que vous allez aimer cet épisode. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bon québécois. Mais par contre, ça, je pense, les autres plantations, c'est juste le blé qui a réussi à pousser. Et aujourd'hui, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas continuer la maison parce qu'il y a plusieurs dimensions et je vais pas faire une maison à chaque dimension. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va prendre nos 4 blocs ici. Je pense que vous voyez où est-ce que je veux aller. Donc, on va aller ici. On va aller là. On va aller essayer d'aller dans la troisième dimension. Donc il nous manque, je pense, un bloc à aller poser. Donc on va prendre ça. On va poser les 5 blocs que nous avons. Il va nous en manquer seulement un. Attendez, regardez ici, attendez. Victoire! Wouhou! Ok. On va se faire... Le petit sorcier du feu ici. Putain, il m'a touché. Putain. Putain, hein? Allez. Meurs. Non, c'est un chevalier fantôme de feu. C'est pas un chevalier de feu. Parce que nous, on est un chevalier. Mais lui, c'est pas un chevalier. Donc, la dernière fois, on s'était crafté cette pioche. Et clairement, ça va beaucoup plus rapidement avec cette pioche-ci. Également, il nous fallait du charbon que j'ai galéré à trouver la dernière fois. Mais on va pouvoir en trouver, je pense, dans la troisième dimension. Puisque le nom s'appelle Portal Knight. Donc, je pense qu'il faudra crafter. Est-ce que je peux en confectionner un autre? Oui. Donc, on va aller le poser tout de suite. Attendez, on va prendre tout notre stock. Et peut-être qu'on va revenir ici, mais je vais laisser la petite maison. Et pourquoi il y a un bloc en plein milieu? J'en ai aucune idée. Est-ce que ça va casser tout le contenu? Oui, en effet, j'ai cassé tout le contenu. On va prendre toutes les pioches. Toutes les pioches. Je vais en prendre, ouais, 6. Ça va être en masse. Et les amis, est-ce que vous êtes prêts à aller dans la troisième dimension? Je pense que c'est des blocs bleus qu'il faut poser parce que j'ai pas réussi à avoir des blocs jaunes. Donc. Oh! Ok, je pensais qu'on pouvait voir dans la dimension, mais c'est pas le cas. Bon, peut-être un dernier ennemi pour bien casser ma baguette. Mais ça ferait du bien. Allez, mange-toi ça. Boum! On commence à être plutôt habile. Allez, mange-toi ça. En plus, il y a la larve qui s'y rajoute, là. Putain, viens ici, toi. Oh non, non, tu vas pas m'échapper, là. T'es où? Regardez, il essaie de s'enfuir. Et voilà. C'est qui le maître? C'est Mutex. Ok, vite, on va rentrer dans la dimension. Wouhou. Je me demande bien qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de la dimension. Peut-être un tout autre biome, mais ce serait correct. Peut-être un fort pinceau. Chasse aux œufs. Non! Ils ont fait une mise à jour.
Pour Pog! Il y a plein de bâtiments! Il y a plein de bâtiments. Désolé si j'ai crié aigu. Regardez! C'est trop beau! Attendez, on va tout explorer et regardez le nombre de nourriture qu'il y a par terre. Des champignons, du blé, des baies, des sapins, des papillons. Putain, cet endroit est trop magnifique. Le prochain portail, il est ici. Oh! C'est trop beau, c'est trop beau. Regardez, là, il y a un œuf de Pâques! Je peux pas le casser? Oui! 4 œufs jaunes. Ok, je peux les manger? Oh oui, c'est trop cool. C'est trop cool. Hey, c'est trop cool, regardez! On peut se faire des portes et tout. Je sais que présentement, je fais pas... attendez, on va refermer la porte. On sait jamais. Et... bonjour! C'est cool ici, il y a un petit foyer et tout. On va le parler à Adelia. Bonjour, courageux chevalier. C'est très malpoli de détruire un vase qui n'est pas à soi. J'ai pas détruit de vase. Détruit un œuf. Parle aux gens, ils peuvent avoir besoin d'aide. D'accord, merci. Non. Nous, quoi? N'oublie pas de prendre des potions lors de tes aventures. Merci. Et j'ai pas cassé de vase. Pourquoi tu dis ça? Là, je casse des vases. Tantôt, j'en ai pas fait. Bloc de pierre. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose à l'intérieur? Ok, ici, on peut stacker des trucs. Et je vais juste voir sur la... sur la carte, chasse aux œufs, coffre perdu, 27 minutes. Ok, c'est des événements. Oh, ok, c'est une dimension respective, mais c'est juste qu'ils ont ajouté des œufs de Pâques dans la dimension. C'est parfait. Et regardez tous les endroits possibles d'accès. C'est juste incroyable. Ça m'a l'air d'un boss. D'un boss, pardon. J'ai 18 éclats de portail. Ok, attendez. On va quitter cette maison. Je pense qu'on va s'installer ici avec Adelia plus tard, mais pour l'instant, je veux explorer. Si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Oh, c'est trop cool. C'est juste trop cool. Attendez. Ouais, je peux casser ça avec ma pioche. De toute façon, j'ai des pierres à aiguiser. J'en ai 33, donc je peux me permettre de casser des trucs ici. Oh, regardez, il y a des slimes. Pas des slimes, pardon. Des... comment ça s'appelle? Des mucus. Je peux pas me mettre chier. Ah ouais, ah ouais! Ça joue à ça, hein? Ok, ok. Ils vont faire aucun dommage. J'ai des petits mucus de rien du tout. Peut-être, ça se peut. On mange de ça. Allez, allez, on recule parce que mage, c'est vrai que c'est de distance et non de proche. C'est plus guerrier, je vous dirais. Regardez, bloqué derrière l'arbre. Putain. Merde, petit mucus orange. On est presque niveau 5. Ça, c'est trop cool. Également, il faudra que je me fasse une pioche en charbon. En charbon, n'importe quoi, en cuivre. J'ai eu 2 œufs oranges, cool. Ici, il y a un autre œuf de Pâques. Donc, vu que l'événement, c'est chasse aux œufs de Pâques. Ok, c'est un œuf. Je me demandais c'est quoi. Super œuf jaune. Je pense qu'il faut récolter tous les œufs de Pâques. Et on en a plein. Regardez, ici, il y en a un autre. Bref, je vais pas tout faire ça à chaque fois. On va... juste, je vais juste faire, non, comme ça, ça, définir comme base, et on a un jour restant pour faire la chasse aux œufs de Pâques. J'espère que vous avez passé une bonne Pâques, moi c'était super, j'ai fait une chasse aux œufs, hein, c'est vraiment cool, d'ailleurs j'ai mangé tout à l'heure. Oh. Oh! Un sorcier électrique? Qu'est-ce que c'est que cette merde?
C'est ça que j'ai fait une chasse aux œufs de Pâques. Et sérieux, ma famille a vraiment. C'est vraiment donné pour cette chasse. On va essayer de se le faire. Chevalier fantôme du tonnerre. Oh putain, il envoie de l'électricité. Il envoie pas beaucoup de dégâts. Quand même. Mange un œuf de Pâques pour l'occasion. Oh putain. Il a raté son attaque. Oh putain. Quand il réussit à nous toucher. Allez, allez, allez. Sa vie est presque descendue. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Est-ce qu'il nous donne des objets en particulier? Non, ouvre pas la carte. On... What? Ok, ça c'est mon petit rat. Ok, j'ai eu de l'argent. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? J'ai trop de trucs, sérieusement. J'allais un peu poser ça dans la vieille maison ici. Il y a beaucoup trop de bâtiments pour que je me construise une maison. Je pense que je vais m'installer dans celle-ci parce qu'elle est accueillante. Elle est vraiment cool. En plus, il y a un petit lit. Non, je peux parler à toi. What? Oui, je sais. Est-ce que je peux pas dormir dedans? Je peux casser son lit. J'ai cassé ton lit! Ici, il y a du feu. Est-ce qu'on peut prendre du dégât? Oh! Ok, je pensais qu'on avait découvert un chemin secret. C'est pas le cas. Donc, ok, là il y a un vase. Ben oui. C'est pour ça que tantôt elle a dit arrête, ne casse pas mes vases. Parce que là il y avait un vase. Je sais pas, on va revenir tout à l'heure stacker nos trucs. Mais pour l'instant, je veux aller explorer qu'est-ce qu'il y a aux alentours. Je vais prendre des blocs de terre pour monter ici. On va se faire un petit escalier. C'est bon. Ici, on dirait plutôt une église. Oh, wow. Wow. Salut. T'as un masque? Rotule l'adepte. Gare, je suis un féroce chevalier du portail. Enfin, presque. Ouais, t'as un masque sur le front. Je vais te parler. Depuis la fracture, j'ai enfin trouvé la paix et la sérénité. Enfin, jusqu'à ce que tu apparaisses, je veux dire. What? Est-ce que tu peux me dire d'autres choses? Ne me crains-tu pas? Non, pas du tout. C'est plein de choses, on va les prendre. Ça nous fait toujours du bois en plus. Et les torches sont plutôt stylées. Est-ce qu'il n'y a pas un petit coffre ou un vase à casser dans ton petit sanctuaire? On dirait pas. Merde, je suis tombée. Reprends l'escalier. Vas-y. Ok. Ok. Bon. Ici, il y a des tortues, un muscus orange, peut-être patata. Une tortue, encore une fois. Je te crains pas du tout, hein. Juste comme ça, tu me fais pas peur. Putain, je suis où, là? Meurs! Bon. Ok, super. On a des baies. On va manger un coco de Pâques parce que c'est trop stylé. Ok, beaucoup trop d'ennemis. On va plutôt aller voir. Regardez là-bas. Coucou les mucus. Tu m'as même pas touché. Oh putain. Tu veux jouer à ça? Putain. Va-t'en. C'est plutôt une grande force. Oh putain, notre vie. Prends une potion. J'arrive pas à voir où est-ce que je suis. Ok, ça. Sa vie est basse. On l'affaiblit. Oh. Oh. Niveau supérieur, niveau 5. Cool. Un chariot. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh. Un bloc. Non. Pourquoi un deuxième portail? What the hell?
Attendez, je vais juste aller voir c'est quoi le gros bloc ici. Est-ce que je peux le miner? Oui, je peux le miner. Oh, oh, oh. Potion de mana puissante. Oh, on peut obtenir de la mana en détruisant des blocs. C'est bon à savoir. Ok, ici on a un petit chariot. Est-ce que je peux le casser? Oui, ça m'a donné 10 minerais de cuivre. C'est bon, c'est parfait. Par la suite, je pense que c'est là que je viens. On va pas tout prendre, tout ce qu'il y a ici, comme tous les champignons et toutes les baies. Ça serait beaucoup trop long. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici dans ce petit sanctuaire? Une autre personne qui veut nous parler, je suppose. Ça ressemble à ça. Arum, le pasteur. Et tu prétends être un chevalier, hein? J'en suis un. Je vais te parler. La fin est proche. D'accord. Il ne reste que quelques jours à vivre. Faites vos prières. Je fais ma prière, d'accord, c'est bon. Donc, il dit que sûrement que la fin du monde est proche. À cause de quoi? On va le découvrir peut-être plus tard. Par exemple, ici, il y a un œuf. What? What? L'œuf m'attaque! Casse-toi! 3 days later. Bon! Ouh! Il était dur à tuer, lui. Bon, enfin. Bon, je prends une autre potion de soin. Je sais que c'est pas économique. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, qu'est-ce que tu me disais? Va-t'en, s'il te plaît. Mais pourquoi? Pourquoi tout le monde m'haït? Depuis la fracture, j'ai en fait trouvé la paix et la sérénité en fait jusqu'à ce que tu apparaisses. Pourquoi mon apparition vous dérange? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vais quand même prendre ton contenu, mon grand. J'étais un pilleur comme ça. Par contre, j'ai pas détruit ton petit lit. Ben non, qui ferait ça? C'est une belle cheminée. Cheminée. Là, je suis déjà allé. Ok! Attendez, on va retourner à la maison. Et on va stacker tous nos trucs. Regardez, j'étais sur le chemin dans la maison pour retourner. Et j'ai trouvé ceci. Une descente qui est au fond. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Ça m'a l'air de descendre. Wow. Oh putain. On dirait un mage méchant. Razo. Chut. Je dispose d'une grande variété d'articles. Boom. Aujourd'hui. Oh, c'est un vendeur. Commencez à parler. Commencez. Ok, on peut y acheter des mini-bombes. Voilà à quoi sert l'argent. Une bombe explosive, une TNT, une fusée. Une fusée si on en a déjà une. Je vais prendre une mini-bombe, juste pour commencer. Non, attendez, on va prendre... sac à dos plein. Oh merde. Attendez, je vais te parler d'abord. J'adore l'odeur des explosifs au petit matin. Bon, il me dit juste ça. J'adore l'odeur des explosifs. Bon, même affaire. Oui, attendez, faut que je vide mon petit sac. Il y a quand même des trucs intéressants. Il y a des paires aiguisées, tout le petit patata. Ici, je peux stacker des trucs. On va mettre des trucs inutiles. Par exemple, qu'est-ce qui est inutile? Recette pour aile de bourdon. Est-ce que c'est vraiment utile? Ou, parchemin de soins, ça c'est utile. Ça, je m'en bats les reins. De l'eau. Ok, mon coffre, ça j'en ai besoin par contre. Une fusée. Des champignons. Champignons de grès. Je m'en balèque. Ça aussi, je m'en balèque. J'ai dit, je m'en balèque. Donc, ok. Qu'est-ce que je peux t'acheter d'autre? Approche-toi. Commencer. Je veux t'acheter une bombe explosive. Une TNT également. Et j'ai plus d'argent. C'est super. On va retourner à la maison. Et je pense qu'on va faire la conclusion de cet épisode. De retour à la maison. Avec le soleil qui se lève. C'est tout simplement un monde magnifique. Portal Knight. J'adore ce jeu, putain. Donc c'est pour cette raison que... laissez un gros like. Et en commentaire. Dites-moi. Pourquoi y a-t-il 2 portails dans cette dimension? Peut-être parce qu'il y a 2 dimensions, je ne sais pas trop. Donc, dites-moi dans les commentaires des réponses ou n'importe quoi. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Motex. Allez, bye bye tout le monde!
Thank you.